Brest. Aujourd'hui, j'ai eu ma première fille à Delhi. Et ils me l'ont placée à la naissance, à l'hôpital de Montbrison, parce qu'en fait, j'ai eu une césarienne. Je suis tombée dans le coma. Et le médecin m'a laissé 20 minutes dans le coma sans prévenir. Et depuis ça, elle a eu un problème. Ils me l'ont placée. Et maintenant, aujourd'hui, elle a 5 ans. Et la deuxième, elle a que 6 mois et ils m'ont placé aussi à la naissance. Et moi, c'est pas une vie, c'est pas une vie de famille, c'est du dégoût. Ils te l'ont placé pour quelle raison? Parce que ma première fille, elle avait un problème de santé. D'accord. Parce qu'elle avait eu une amyotique. Ok. Parce que quand elle avait accouché, celui qui l'a accouché, il l'a laissé tout seul pendant 20 minutes et il n'a pas prévenu ses collègues. D'accord. C'est pour ça, et à cause de ce problème de santé, ben, ils étaient obligés de la transférer jusqu'à l'hôpital, non, posé à l'hôpital Nord, okay. En hélicoptère. D'accord. Aujourd'hui, ils vous disent quoi, les services sociaux? Aujourd'hui, c'est que pour la deuxième, ils vont essayer de prolonger encore le prolongement de Noélie. Mais j'ai dit, c'est pas vous qui décidez, c'est le juge, de toute façon, qui va décider. Ça, pour la deuxième, avant, on la voyait toutes les 3 semaines et on a fait un court appel à Lyon. On a eu bien une cause, par contre. Maintenant, on la voit tous les 15 jours, mais c'est vrai, c'est pas évident non plus, parce que comme elle a 5 ans, et sauf ce que j'aimais pas, c'est quand on voit la famille d'accueil, soit elle appelle la famille d'accueil maman ou papa. D'accord. Et là-dessus, ils vous disent quoi, les services sociaux? Vous leur avez posé la question, pourquoi Nous, de toute façon, quand on leur pose la question, ils nous disent qu'ils savent pas, ils savent toujours rien du tout. Voilà. Ça chaque fois comme ça. Ou soit quand on veut faire des visites, ou soit autre chose, ça va la perturber, faut pas aller trop vite avec eux. Et pour le bébé? On est reconvoqué au mois d'octobre, là, au palais de justice. Et là, sinon, on la reçoit, on l'a à la maison et on l'a voit une heure. Voilà, une fois par semaine et une heure. À la maison? Voilà. D'accord, ok. Donc, votre demande? C'est de récupérer mes filles. D'accord. Si elles sont petites, mais elles pourront peut-être écouter un jour ce message, vous voulez leur dire un mot? Je les aime très fort. Pareil, je leur fais un gros bisou. Ça marche. Merci beaucoup. Courage. Merci.